www.radiohdl.fr. Si les données rapportées par la sonde que j'ai envoyée concordent avec mes propres calculs, je vais explorer ce qu'aucun homme n'a jamais osé affronter. HDR. Le trou noir HDR. Oui, mais c'est de la folie. J'ai besoin de vous pour conquérir un nouvel univers espace-temps. Un univers où j'aurai la possibilité de rencontrer ce que nous appelons mystérieusement le mix des cultures. Maximilian, prépare le lancement de la sonde spatiale. 99.1 www.radiohdr.fr. Internationale radio HDR на волне 99.1 FM. Bonjour Frédéric Tadigny. Bonjour. HDR. Bulle. La bulle. HDR. Vous avez pris 10 ans de vacances dans votre vie entre 19 ans et 29 ans, où vous avez fait ce que vous voulez, où vous êtes cultivé, vous êtes sorti. C'est même de ces 10 ans que vous vivez aujourd'hui. Est-ce que vous diriez à un jeune de 20 ans de faire la même chose? Ça dépend à quel jeune de 20 ans. Mais moi, j'ai eu de la chance. Mais la balle est passée tout près. C'est-à-dire? Bah, ça aurait pu très très mal se terminer. Mais oui, j'ai eu de la chance, donc... Donc effectivement, aujourd'hui, je vis assez confortablement de ces 10 années-là. Enfin, je n'en ferai jamais un exemple. Maintenant, il y a une certaine catégorie de gens qui peuvent faire ça, qui peuvent se le permettre, et ils le savent. Ils le savent. Quelle catégorie ? C'est pas une affaire de c'est un truc que vous avez en vous. Vous voyez, je le recommanderai à personne. Mais il y a des gens qui ont besoin de ça, comme il y a des gens qui ont besoin d'une bonne guerre. Vous voyez, ils en reviennent aguerris. C'est le terme littéral. Moi, j'en suis revenu à vacancier. Dans les années 70, pour vous, le grand défi, c'était les femmes. Il n'y avait plus de guerre ou de territoire à conquérir. Et d'autre part, vous vouliez ressembler à Jean-Louis Trintignant dans Le Mouton enragé. Donc, il séduit toutes les femmes dans le film. C'est ça que vous vouliez faire, c'est séduire toutes les femmes? Non, il disait, Jean-Louis Trintignant dans ce film-là, quand on lui demandait ce qu'il faisait, il disait « je couche avec beaucoup de femmes ». Non, il disait « je veux coucher avec beaucoup de femmes et gagner beaucoup d'argent ». Et je m'étais dit que c'était la meilleure devise qu'on pouvait avoir. Je l'ai vu, j'avais 12 ans. Donc à 12 ans, quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je répondais coucher avec beaucoup de femmes et gagner beaucoup d'argent. J'ai échoué dans les deux. Dommage. Et pourquoi les femmes vous faisaient peur? Pourquoi c'était un défi? Est-ce qu'elles vous font toujours peur aujourd'hui? Elles m'ont jamais fait peur, au contraire même. Alors non, s'il y a bien un truc que j'ai jamais eu, c'est la peur des femmes. Au contraire, c'était le jouet... c'était le jeu, plus exactement, le plus dangereux, puisque comme vous le disiez, comme je le disais plus exactement, puisque vous me citiez, il n'y avait plus de pays à conquérir, il n'y avait pas de guerre qui se profilait, il n'y avait pas de grande famine, donc finalement, l'aventure, c'était les femmes. Et l'aventure ne me faisait pas peur, elle ne m'a jamais fait peur, en tout cas cette aventure-là, c'était la grande aventure. Mais vous n'avez pas réussi. Non, j'ai pas réussi parce que j'ai pas couché avec autant de femmes que j'aurais voulu. Et je gagne pas autant d'argent que j'en rêvais. Alors, vous avez commencé à vous intéresser à la peinture en 1985 car vous étiez amoureux d'une fille qui ne parlait que de ça. Ça vous arrive souvent de vous passionner pour quelque chose par amour ? Non, ce qui m'intéresse, c'est que si vous voulez, la femme que vous convoitez à ce moment-là, si elle se passionne pour quelque chose, vous voulez savoir, évidemment, vous avez envie d'aller voir ce qui la passionne. En l'occurrence, je me suis intéressé à la peinture et je me suis aperçu qu'elle n'y connaissait absolument rien et qu'elle répétait ce qu'elle avait lu dans le journal. Donc, immédiatement, les affaires ont cessé. Quand vous étiez plus jeune aussi, vous vous êtes juré de ne jamais être salarié, de ne jamais vendre votre temps à un employeur. Alors qu'est-ce qu'il y avait de si terrible à vendre son temps à un employeur ? Mais c'est horrible, c'est-à-dire que vous avez le droit de, il a le droit de vous dire que vous devriez être là, même si vous n'avez rien à faire. Et la seule fois où j'ai vendu mon temps à un employeur, c'était du temps où j'étais à Canal+, et j'ai réussi à négocier que quand je n'avais rien à faire, je n'avais aucune raison d'être là. Donc moi, ce qui me préoccupait, c'était uniquement qu'on puisse m'obliger à rester quelque part. Ça datait simplement d'un été que j'avais passé dans la banque de mon père, où j'avais vu les amis de mon père, parce que mon père prenait des avions tout le temps, il était toujours bronzé, il était toujours très heureux d'aller au bureau, parce que pour lui c'était les vacances quand il allait au bureau. Et je croyais que tous les amis de mon père que je voyais à la campagne le week-end étaient dans la même situation. Et en fait j'ai découvert que, alors qu'ils avaient
des situations, comme on dit, plutôt enviables. Ils faisaient des boulots intéressants et je me suis rendu compte qu'en fait, ils passaient leur temps à regarder l'horloge. Ils attendaient qu'il soit 17h pour pouvoir aller au club photo. Et je me suis dit, quelle vie horrible, quoi, d'attendre à son bureau parce qu'on ne pouvait pas partir. Et pourtant, c'était des fondés de pouvoir, des dirigeants de banque, mais ils ne pouvaient pas partir avant 5h. Et donc, je me suis juré de ne jamais vendre mon temps, que personne ne puisse me dire, hey, « Eh, oh, il est pas 5h, là, tu restes là. » Ou « Eh, oh, il est 8h10, tu devais être là à 8h. » Donc voilà, personne ne peut me dire ça, sauf là maintenant, il faut que je sois là au moment où l'émission commence et je peux partir dès qu'elle est terminée. Mais c'est tout. Le reste du temps, je fais ce que je veux. On vous avait proposé de travailler dans la publicité, vous ne vouliez surtout pas. Pour quelle raison ? On me l'a pas jamais vraiment proposé, mais à un moment, j'ai senti que ça me pendait au nez. C'est-à-dire que c'était les années 80, je ne travaillais pas. Et on m'avait demandé de rédiger ce qu'on appelle une plaquette de communication pour une grande entreprise. Enfin, on m'avait donné ça comme un défi parce que personne, cette entreprise-là était assez difficile, elle refusait tout le monde. Et donc, je leur ai proposé quelque chose, ils ont dit oui. Donc, tout le monde était fasciné. Ah, tu te rends compte, cette entreprise-là, elle lui a dit oui. Donc, on m'a proposé une autre plaquette de communication que j'ai faite aussi. Et à l'époque, on gagnait plutôt beaucoup d'argent quand on faisait ça. Et je me suis dit, je vais prendre goût. C'était l'époque où je travaillais pas. Je me suis dit, de l'argent gagné aussi facilement. J'avais l'air assez doué pour ce truc-là, puisque des entreprises qui normalement refusaient tous les rédacteurs m'acceptaient. Donc je me suis dit, pourvu qu'ils me proposent pas de rentrer dans la pub, parce que je pourrais être tenté de dire oui et ce serait la fin de ma vie, quoi. Et heureusement, ils m'ont pas proposé. S'ils m'avaient proposé, est-ce que j'aurais eu le cran de dire non? Je ne le saurais jamais.